combien véritablement connaissait l'Afrique, parce que autour d'une carte mal faite d'ailleurs, il décidait de tracer les frontières, ignorant qu'il séparait des familles, des ethnies, des groupes sociaux. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes qui vivent dans des contrées lointaines, avec leur civilisation, avec aussi le schéma de leur évolution. Berlin a consacré la barbarie de la colonisation. Tu n'es pas des anges. Sors de l'ombre vers la lumière, frère. Yeah. Je tiens à dire que j'ai toujours adoré cette terre depuis que j'ai vu le jour. Alors comment ne pas avoir l'amertume si l'on a grandi sur une terre cruelle? On crie Mayday, la France à l'écoute, mais c'est pas elle qui volerait au secours. Merde, l'Afrique court à sa perte, imbécissant dans des bouquets de fleurs pour un jardin en dette. Je consomme donc j'existe, on travaille plus pour s'enrichir, on le fait juste pour se rendre utile. Les banques européennes nous prennent par les pièges du crédit, nous rendent PPTE dès que le chiffre donne le vertige. Au-dessus de nos états, des hommes improvisent, messieurs les vanités, permettez-moi d'être impoli. Être lâche, c'est ne pas pouvoir le dire, puisque notre situation, ce sont pas leurs familles qui la vivent. Nos états préfèrent résister que de prospérer, nos leaders politiques favorisent, font assassiner. Raison pour nous diviser, le CFA pour nous viser, ils nous imposent des seins pour qu'on puisse les diviser. Nos soi-disant intellectuels brisent nos rêves, et ce sont pas nos petites grèves qui les ébranleraient. C'est fou comment ils s'excusent, manque plus qu'une robe de mariage à proposer à la France-Afrique. Ceux qui au nord comme au sud de la planète profitent financièrement d'une Afrique en retard. Ici ne souhaitent pas que la dette soit purement simplement effacée. Il y en a qui demandent même où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes quand vous mangez. Qui oubliera enfin les fusillades, les péris de nos frères, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Malgré tout ce qu'on peut raconter, je reste africain dans mon cœur. Ah, trop d'assure, l'Afrique grandit dans ses erreurs. Constamment en retard, on envisage tous vivre ailleurs. Nos états ignorent ce que sont les fonds de retraite. Seuls sans cas sauraient comment je fais pour tenir dans ce bled. J'aurais pas le courage de me regarder sans crier à élu et incriminé. Qu'ils arrêtent de prouver par A plus B que la mort de Lumumba n'était pas planifiée. Pas d'assurance, plus de couverture sociale. Mal nourris même, nos âmes pèseront moins de 21 grammes. Le savoir est une arme, nos dirigeants des blanches cravatés derrière un bureau, hello l'année blanche. Au journal de 20h, ils hésitent des dons. En dessous de l'ours, d'accord, nous prenons pour des cons. Déjà pour la police, maudite action. Paix à court terme, ainsi reste leur motivation. Pour nous civils, même militaires, c'est une peur bleue. Porte la couleur du deuil et embauche des bleurs. Statistiques pondérons, gens, on est réputés perdants. La médiocrité jusqu'au sous-bassement. Comment réussir et voir nous fermer nos gueules? Si pour avoir des armes, suffit de taper sur Google. Si mon son, il est sans refrain, c'est que l'Africain n'aime plus son prochain, il aime plutôt son téléphone. Contrairement à la plupart des chefs d'État africains qui vident les maigres richesses de leur pays pour se remplir les poches. Nous avons reconnu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel. En plus, ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il faut. À mon avis, hein, Internet, je ne l'ai pas. La nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. King Joe, Big Dog et Fi. La Bible, le Coran, ne peut pas te dire de la même manière celui qui exploite le peuple que celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran. Nous avons connu le travail harassé exigé en échange des salaires qui permettaient-nous de manger notre faim et de nous vêtir, nous loger décemment, élever nos enfants comme des êtres chers. Vive l'indépendance et l'unité africaine.